direction Saffré où se déroulait en ce mois de novembre la 4e Récier, un rendez-vous mêlant musique traditionnelle de Haute-Bretagne, histoire et légende racontées en galop. On reprend un petit peu les traditions qui se passaient autrefois dans les campagnes, où les gens avaient moins l'occasion de sortir, puisque de toute façon, ils avaient toute la semaine, ils étaient aux travaux des champs. Et puis, le soir, ils étaient à la veillée, bien sûr, mais le dimanche après-midi, il fallait pas qu'ils partent trop loin, parce que de toute manière, le soir, il fallait affourrer les bêtes, et puis fallait les tirer. Et puis, il n'y avait pas des transports modernes comme aujourd'hui. Hein. Ils avaient au mieux un vélo, ou alors ils partaient avec la charrette à cheval, et puis il restait en famille, quoi. Donc en fait, la tradition, eh bien, c'était de se raconter des histoires, de passer un bon moment ensemble. Les femmes avaient un petit ouvrage, faisaient de la broderie, les hommes faisaient des pagneux, des geds. Hein, et puis voilà, quoi, ça se passait. Souvent aussi, il y avait des musiciens. Et souvent, qu'un seul souvent, mais enfin, ils dansaient aussi. Dis donc, qu'avez-vous fait les filles ? Dis donc, qu'avez-vous fait les filles ? Pour venir de Cambon, dis donc, d'Aine. On ne va pas dire que c'est un aboutissement, c'est une continuité de l'atelier galop qui a lieu à Ptimard. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, les anciens avaient perdu un petit peu leurs racines. Donc ça permet de faire le lien entre la génération passée, voire les générations passées, et puis celle d'aujourd'hui qui ne voudrait quand même pas que ça disparaisse, quoi, hein, puisque c'est quand même nos racines. Quoi. Les Pumpnow, c'est des Garcia. des Vanjav. Des Vanjav. Pas plus. Vous voyez bien, tu sais qu'un vlin. Donc, il y avait un vlin, les voix vivaient la forme que ça a. Un vipère. Les anguilles. Les anguilles. Je le dis, t'as lourd en plus de ça, c'est un synonyme. Je suis venu ici pour compter en galop, qui est l'autre langue de Bretagne, donc une langue latine, romane, qui était parlée et qui est toujours parlée sur l'est de la Bretagne. Pour faire dans le plus précis, c'est la moitié des Côtes d'Armor, le tiers du Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, même si le sud de la Loire-Atlantique, faut être honnête, ça retire un peu plus sur le Poitevin-Saint-Onger. Alors, le galop, c'est le terme qu'on donne à la langue de Haute-Bretagne, au brito-roman, parce que c'est le terme qu'on trouve dans les textes déjà dès le 13e ou 14e siècle, je ne sais plus trop, qui désigne en fait la langue qui est parlée dans la Bretagne qui n'est pas bretonnante. Et par contre, on utilise le terme de patois parce que patois, c'est aussi une origine qui n'est pas très glorieuse, puisque c'est la langue du pateau. Et le pateau, au départ, c'est le chien qui a des grosses pattes. Donc voilà pourquoi moi, j'utilise de moins en moins le terme de patois, même si effectivement, quand on va voir les anciens pour collecter, si on leur dit le galop, ils ne connaissent pas forcément. Parce que c'est un terme qui était surtout connu sur la limite linguistique entre le breton et le galop. Moi, je ne veux plus l'utiliser trop parce qu'il y a aussi on est dans un travail de revalorisation de la langue et du coup, continuer d'utiliser le terme patois, c'est pas forcément la meilleure chose. Quoi. Donc, on utilise le terme de langue, ce qui est d'autant plus valable que même les linguistes renommés, je pense à Henriette Walter, parlent réellement de langue. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti du latin qui s'est mélangé avec un substrat local, donc qui était l'armoricain, donc qui était une langue celte. Tout ça s'est mélangé et puis a donné donc des langues un petit peu partout. Et on est sur le domaine d'Oil, ou d'Oil qu'on devrait dire, donc ça regroupe en fait d'autres langues cousines comme le normand, le picard, mais aussi le poitevin-saintongeais, le bourguignon, enfin toutes les langues du nord.